la Discorine, responsable de la France Service. Donc, je travaille avec 6 agents, 2 agents conseillers numériques et 4 agents France Service. Aujourd'hui, nous avons un partenariat avec la CTM, dont le dispositif est Solidarité Énergie. Ce matin, nous avons des agents qui accompagnent ces usagers. Nous travaillons aussi en étroite collaboration pour toute démarche dématérialisée, puisque c'est le premier rôle de la mission de la France Service. Donc, le dispositif s'achève aujourd'hui à 12h30 et nous allons continuer durant toute la semaine à accompagner les usagers pour faire leurs demandes en ligne. Bonjour, je suis Rosemonde Christophe, chef de service adjoint à l'Agence de services et de paiement. Nous avons été mandatés par la CTM pour accompagner les usagers sur la mesure Solidarité Énergie. Cette mesure est mise en place pour aider les ménages les plus vulnérables. Comme nous le savons tous, les factures EDF, entre autres, ont énormément augmenté. La CTM tenait absolument à accompagner les usagers. Nous nous déplaçons dans les CCAS, dans les maisons France Service, afin d'instruire les demandes directement en ligne, parce que malheureusement, beaucoup d'usagers n'ont pas accès à Internet pour pouvoir faire leurs demandes. La demande peut être faite du 2 octobre au 19 novembre en ligne.